Arrête André, tu me pousses trop fort. Attends. Albert, qu'est-ce que t'en penses du match d'aujourd'hui? Oh, c'était un match très stressant. De toute façon, on était déjà champion avant ça. Donc on va pas juger ce match, on va juger tout le reste de la saison. Hein. Ça va être un groupe super et voilà, très facile à entraîner. Voilà, ils respectent très bien les consignes et ils jouent au football. Et c'était une saison difficile ou à la portée de l'équipe de Comex? Ça a été une saison, je veux dire, toutes les équipes se valent. Notre régularité, on est venu hein. Et qu'est-ce qui différencie l'équipe de Comex par rapport aux autres équipes? Parce que ce n'est pas facile. Justement, ils ont travaillé toute l'année, tous ensemble, tout un groupe de 16 copains. On ne va même pas dire que c'est une équipe. Et alors, je veux dire, tu as les parents. Tout tourne autour de l'équipe, les parents, les supporters, tout enfin. Je suis un petit peu pris à froid ici parce que l'émotion est là, mais c'est un groupe super. Hein. Et quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Jouer les trois premières places en supérieur. Vous pensez de votre équipe scolaire? Extraordinaire. Être champion la première année, c'est fantastique. Et un titre l'année prochaine aussi. Et vous pensez ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux vedettes que vous avez dans l'équipe ou au travail collectif? C'est dû au collectif et certainement au professionnalisme de son entraîneur. Et quels sont les objectifs de l'année prochaine du club? Être champion enfin, aussi. A priori, ce sera plus facile d'être champion en deuxième année qu'en première. Il y a des nouveaux arrivés pour cette équipe-là, des départs Ça, je ne sais pas encore. Il faut un petit peu en discuter avec le staff de l'équipe. Ok, merci. Te revoilà encore une année de plus champion. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont tes sentiments? Bah, je pense qu'on le mérite, parce qu'on a une super bonne équipe, et voilà. Et toi, t'as fait apparemment, l'entraîneur me dit que tu as fait une belle saison. C'est dû à quoi? C'est dû à l'école ou c'est dû à ton travail sur le terrain? Non, parce que j'ai envie de jouer. Ah, t'as envie de jouer. Et qu'est-ce que tu en penses de la saison prochaine? Je pense qu'on va tout déchirer. Tu étais délégué toute cette saison. Comment ça s'est passé? Quelles sont tes impressions par rapport Très très bien. À bon groupe, à bon entraîneur, bon supporter, génial. Et Comex scolaire sont champions, c'est grâce à quoi? Grâce aux vedettes qu'elle a ou au collectif? Grâce à tout le monde, c'est collectif. Et les parents, ils arrivent à suivre l'équipe ou ils sont présents ou 9 fois sur 10, ils sont présents. Ouais. Vous avez de l'aide? Vous êtes aidé quand vous avez besoin d'eux? Sponsor, etc. etc. Ouais, ça fonctionne super bien. Merci. De rien. Victoire, Comex soir. C'est une victoire méritée due au travail d'un entraîneur sérieux. C'est un papa plus qu'un entraîneur. Et au collectif, parce que son équipe, elle le suit depuis le Diablotin. Et je crois qu'il a fait un bon travail. Et voilà, le résultat est là.